Et salut à tous, c'est Troïnkal, on se retrouve à nouveau dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et du coup on est dans Temple du Temps, je sais plus si on s'était arrêté là ou si j'étais allé en off, je ne sais guère, je ne sais plus, ça fait longtemps. Check, c'est quoi sa voix, putain. Merde. Tu as détruit le dieu fantôme de ce temple et éveillé le sage. Eh, mais d'autres sages ont besoin de ton aide. Et pour éveiller les autres sages, tu devras devenir encore plus puissant. Va, à par-delà les montagnes, sous les flots, et deviens un voyageur du temps. Ok. Pour voyager vers le passé, pose l'épée de légende dans le piédestal. À nouveau, tu seras un jeune garçon. Un jour viendra où tu voudras revenir ici au plus vite. Écoute-moi et ton esprit volera, défiant le temps et l'espace. Entends et apprends, car voici le prélude de la lumière. Ok. Oh, ta race! Ça commence à être compliqué. Alors que vous auriez pu, je sais pas moi, il y a trois gâchettes, vous auriez pu vous en servir pour faire les notes, ça aurait été vachement plus simple. Ah mais sur N64, je sais pas quoi, si, il y avait des gâchettes aussi. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait sur SNES et pas sur 64. Bref, ça aurait été plus simple. Parce que là, quand faut jongler avec le stick C et les boutons, c'est un peu compliqué. Eh, vous apprenez le prélude de la lumière! Là, aussi longtemps que tu garderas à l'Ocarina et l'épée de légende, le temps sera avec toi. Link, à bientôt. Eh bien. Alors justement, moi je suis revenu là, exprès, pour poser mon épée de légende. Ah, c'était mon pied! Et redevenir un bambino. Parce que on a moyen d'aller chercher quelque chose. Oh, je me casse, putain! Du coup, maintenant, on est redevenu un gamin anecdotique avec un boomerang. Ah non, il faut... Ah si, c'est bon, le boomerang. Attendez. Du coup... Ouais, c'est ça, le boomerang remplace le grappin, tout ça... Tout ça, tout ça. Très bien! C'est marrant, quand on marche sur du tapis, ça fait un bruit de bois. C'est fou. C'est fou. Et du coup, si je fais le champ du temps, si j'ai bien compris, je reviens ici. Enfin, pas le prélude de la lumière, pardon. Est-ce que je peux acheter une fée en bouteille? Parce que bon, là, j'ai 200 balles. L'apothicaire. Salut. Ouais. Jeune homme, il te faut un récipient pour transporter une potion. Eh ben, j'ai pas de potion peut-être, j'ai pas de récipient peut-être. Un spectre en bouteille, ouais. Un vote à un passionné, 30 rubis. Ça vaut pas très cher, hein. Insecte en bouteille, on dirait un insecte ordinaire, ouais. On s'en fout. Potion rouge. Énergie. Énergie. C'est les cœurs? Bon, on va prendre l'esprit de fée. Et vous attrapez une fée dans une bouteille, s'il y a dans l'inventaire. Cette petite fée est bien utile, elle peut automatiquement restaurer votre énergie dans un moment critique. En revanche, après l'avoir assigné à C, vous pouvez solliciter son aide à tout moment. Non, j'ai plus d'argent. Enfin, c'est pas que j'ai plus d'argent, c'est que j'ai plus de bouteilles. Et donc on va aller au village Cocorico. Ah mais du coup Epona mon cul. Techniquement la Epona elle est encore en formation chevaline. Si je ne me gourre. Oui c'est ça. De toute façon je suis pas assez grand pour monter dessus là. Je vais tomber.
Le village Cocorico, c'est pas par là? Si, c'est par là, je crois. Hein. Et on va aller voir le mec du moulin. Le mec du moulin! Je me suis un poil renseigné quand même, un petit peu avant. Viteuf. Viteuf. Qu'est-ce qu'il y a, Faye? Non, c'est pas Faye. Si, c'est Faye. Oh, je sais plus. La fée. Comment elle s'appelle? Faye, c'est la connasse. Maître Link. Il y a 70% de chance que cette arme à feu soit une arme à feu. Merci, connasse. Ah, moi je tape des arbres, je suis un malade. Effectivement, t'es un malade. Comment ça, que Colac? Je sais plus si j'avais ramené toutes les poules. Je ne m'en rappelle pas. En tout cas. Ah, il reste une poule là. Bon, toujours est-il. Salut! Ah, tourne et tourne encore! Ouais, d'accord. Alors, c'est là qu'on va commencer les paradoxes temporels. Parce que on a appris la chanson du temps. Enfin, la Song of Storm, le chant des tempêtes, grâce à lui. Ok. Et là, on va jouer avec le temps. On a bien foutu la merde, on a bien foutu la merde, on a bien foutu la merde, on a bien foutu la merde. What? On a carrément drainé. Alors il se met à pleuvoir et du coup ça vide le puits. Parce que le moulin il le draine. Ah maintenant faut monter sans se casser la jambe. Hein. Bisous! On a bien foutu la merde! Je sais toujours pas comment. Ah si, peut-être en attrapant une poule, je sais pas. Kuro m'avait dit non mais il faut faire ça puis je m'en rappelle plus. Du coup bah on va descendre. Alors en fait je vais juste chercher un objet, je sais pas s'il va m'être vraiment très utile, mais avant de faire le prochain donjon, j'aimerais au moins prendre cet objet parce qu'on m'a conseillé. Enfin la solution ça m'a dit tant qu'à faire, vous avez qu'à aller par là. Donc bah voilà. Le puits. Ah c'est aussi beau que sur Wii hein. Enfin, sur Skyward Sword. C'est assez foufou. Hein. Je trouve ça impressionnant de garder cette... cette... Oh, une sculpture là. Ça faisait l'anta. Normalement, je passe derrière là. Oh, c'est dégueulasse! Elles sont flippantes, hein! Ah, parfait! Ça rapportait rien! Ouais, oui, mais je voudrais bien savoir ce que c'est, moi. Kono ore no mienu me ni
Oh les bâtards! Alors ça j'aurais jamais trouvé. Hein. Enfin je sais pas, on n'est pas dans Dark Souls. C'est pour ça qu'il y avait une flèche, enfin qu'il y avait le pointeur. Bah, c'est un peu glauque sous le village Cocorico, non? Ok, c'est dégueulasse. D'accord. C'est genre le... Oh putain! Elle m'a fait peur cette conne. Ouais, c'est un peu... D'accord, ah, on peut passer là-bas. Du coup, alors le champ de... Le champ de Zelda, peut-être? La berceuse, là? La perceuse de Zelda? La fameuse? Faut que je me les note. Faudrait que je me les note sur une feuille pour tout savoir si... Ok, d'accord. Donc ça fait ce barello. Rendu... Sale pute! Et c'est même pas un donjon, hein, c'est ça le pire. Hein. Ok, je suis content. Ça ressemble au truc des Gorons, ça. Je rêve pas, hein. Non! Non, je ne t'écoute pas. Comment elle s'appelle, cette fée? Laisse-moi tranquille! C'est les 5 rubis, c'est ça? Je découvre, là pour le coup, je n'ai pas vu celui du tout. Ok, tout ça pour ça? Oh, ça va être compliqué. Hein. Ah d'accord. Donc là, moi, je viens de là. C'est la sculpture là. Donc moi, je viens d'ici. Donc je suis passé par là. Ça me rappelle, c'est les profondeurs dans Dark Souls où il y a des trous partout. Et c'est chiant. Ah, ça c'est parfait.
Laisse-moi juste. Voilà. De toute façon, j'imagine qu'il faut aller par là, mais. C'est gratuit, donc je fais. Donc il y a un trou, mais de quelle taille est le trou? Bon, apparemment, j'ai évité le trou U. Ce qui est cool. What? Tu as besoin d'une clé pour ouvrir cette porte. Elle est fortement verrouillée. Merde. C'est un vrai donjon? Pas du tout. Bah, je vais aller en bas là. Et je verrai bien. Je me verrai bien, Robin! Attends, c'était juste ça? Tu me dis que c'était juste ça. Je me sens roulé. Je me sens roulé, Robin! Alors. D'accord! Regarde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond! Ok, merci. Ah oui, effectivement. Vais-je encore me faire attaquer par je ne sais guère? Alors ça, c'est pute. Ça, c'est vachement pute. Ça, je vais m'éclater ici, hein. Aha! Est-ce qu'il y a une clé? Putain, se donner une noix mojo, mais nique-toi! Je veux pas de noix mojo! On s'en fout des noix mojo en vrai. Hein. Ok, je sais pas tout à fait où est le trou. Ah, bonjour! Je t'avais pas vu, toi! On obtenait des bombes! Ouais, on connaît. On connaît les bombes. Oh, bonjour! Ah! Putain, mais. Flipper ces conneries, quoi. C'est bon, t'es calmé? Tu le dis, hein? S'il y a un trou, je pète un câble. Oula! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi, putain. Donc ça l'attire, c'est ça? Lâche-moi! Laisse-moi!
Ah, en fait, faut forcément que je me fasse piéger, quoi. Tu fais moins ton malin. Il y a des convulsions, quoi, c'est dégueulasse. Alors, c'était pourquoi tout ça, en fait? Vous trouvez le miroir magique de Barbie! Le monocle de vérité! Utilisez C pour le porter, certains éléments sont dissimulés un peu partout. Ah, je comprends mieux certains mécanismes de jeux vidéo, d'autres jeux vidéo. Assurez-vous de l'utiliser en dehors du puits. Portez le monocle gaspillera de la magie. Appuyez sur C pour le tri. Eh ben, on va tester tout de suite. En le mettant, par exemple, à la place de je ne sais guère... par exemple... les graines. Oh, bonjour! Ah oui, obtenez un énorme rubis, cette pierre vous rapporte deux... Bah, c'était bien la peine. De toute façon, j'en avais 150 et des patates. Et du coup, je peux me barrer. Ah bah, le prélude de la lumière, ouais, tant qu'à faire. On va retourner donc au temple de la lumière... Enfin, au temple de... Au temple de l'Adouki à l'épée de légende. Et ce sera déjà bien. Alors, c'était compliqué, le champ... haut, droite, gauche, haut, putain. Oui, on va se téléporter, pardon. Ouais, je m'occupe de l'épouvantail aussi, mais j'avais pas trouvé. Faudrait que je fasse ça en off. Ok, donc on va récupérer... Est-ce que je récupère des cœurs aussi quand je me retransforme? Enfin, quand je redeviens un adulte, hein. Ça serait cool. Je rêve un peu, mais ça serait cool. Les gens qui vont me dire oui, mais t'arrêtes pas de te paumer. Bah oui, mais je connais pas le jeu, les gens. Je découvre en même temps que vous pour la plupart. Donc on va aller au. Ah non, je récupère pas de vie, hein, c'est dégueulasse. Là, c'est un peu abusé. Donc on va aller faire le prochain temple. Range ton arme, voilà. Tu vas te couper. Cours pas avec une épée comme ça, n'importe comment. Débile. Si c'était cool que je pute acheter des flèches. Et dépenser un peu tous mes rubis là. Parce que. C'est mine de rien, j'en ai un paquet. Calmez-vous, maître Gims. Je suis un zombie, tout ça. T'es vous ce qui peut se passer en 7 ans, hein. Ah là là, la drogue. Le champ d'Epona, c'est quoi? Putain, faut vraiment que je note les champs, ça devient n'importe quoi. Il est pas compliqué, c'est au gauche-droite. Au gauche-droite. Epona, mon amour! Non, mais je déconnais dans la fois pour la boucherie chevaline. C'était une blague, c'était une blague. Même si Ablette est mieux, hein, c'est sûr. Ça, y a pas photo. Hein. Bah, parce que tu rames du cul quand même. Hein. Honnêtement, c'est pas glorieux.
Elle est toute petite la plaine d'Hyrule en vrai. Hein. On fait vite le tour avec Epona. Hein. Je trouve. Pour ça me fait marrer quand on montre le prochain Zelda, la Breath of the Wild. Où ça a l'air hyper grand. Mais du coup, ils ont juste agrandi le monde. Enfin, ils l'ont élargi, mais en vrai, c'est tout petit quoi. Enfin bref. Donc, ah, mais toi tu vends des choses. Tu vendrais pas des flèches? Ah, tu vends rien du tout. Mais. Ah bah non, mais c'est vrai que je suis allé le voir déjà lui. Mais non, c'était pas le même. Il a déménagé en fait. Parce que ce vendeur-là, il était au château d'Hyrule. En tout cas, c'est le même. En tout cas, c'est le même. Ah oui, c'est vrai que c'est les ambiances. Ah, c'est les ambiances, mais... Ah, parfait. On va peut-être bomber ça. Si c'est des rues. Oh, une sculpture là. Un jour. Et vous venez de détruire une sculpture d'or à ce symbole, blablabla.